Hey, comment ça va à tous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Si vous avez été malin dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Ils ont fait la paix, enfin bref, sur Cyprien Squeezie, vous avez pu voir qu'à la fin j'ai parlé de Dragon Ball. Que j'ai dit que je ferais une vidéo là-dessus. Si vous avez été malin, vous avez fait replay sur la vidéo pour savoir de quel manga je parlais et c'était Dragon Ball. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire les funny moments dans Dragon Ball. Et oui, si vous vous demandez, j'ai un bouton ici. Et oui, c'est bien vrai. C'est le même bouton qu'avec Squeezie. Purée, qu'est-ce que j'ai tellement de choses en commun avec lui. Bref, commençons la vidéo. C'est parti. Ok, c'est parti. Ok. Ouais, là j'ai compris c'était quoi le truc. Si vous voulez, bon, je vais pas vous expliquer parce que je ferai un live là-dessus dans pas longtemps. Je sais pas quand, mais je ferai un live là-dessus sur ma seconde chaîne, Starball Lenny Gaming. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un bon pouce bleu sur la prochaine vidéo. Et en gros, c'est. Il gagne des trucs qui permettent de faire acheter les figurines dans Dragon Ball Xenoverse 2. Parce que c'est Dragon Ball Xenoverse 2 qu'on est en train d'étudier. Et en gros, il gagne ça. Et il dit monnaie, monnaie, monnaie. Parce que c'est un peu de la monnaie pour acheter. Je sais, c'est pas tellement drôle, mais c'est pas grave. Ok, j'ai compris. C'est en gros le gars, il évite toutes ses attaques. Et en gros, à un moment, il se demande, ah, oh, c'est pas un magicien ou un sorcier. Ah ouais, non, mais ça doit être un magicien. Ouais, mais bon, quand même, c'est pas parce qu'il est fort. Ouais, non, mais t'inquiète. Je pense que c'est un sorcier. Ah, je perds alors que c'est mon défi. Essayez de ne pas rire. Oh là là, pourquoi je fais ça? C'est en gros, il met une musique triste à un moment où il n'arrête pas de se faire battre. Ouais, des petits bruitages, ouais, pourquoi pas, quand tu t'ennuies dans un combat comme celui-là. Il a perdu toute sa vie, il a mis un bruit de canard. Ok, il a mis... Aïe! Il est en position Superman, il a mis une musique Superman. Anecdote sur cette musique de Superman. Et bah en gros, avec mes amis, on avait fait une remix Superman. En gros, Superman, le roi des bananes. Bon voilà, c'est dit, on peut continuer. Ok, il continue à faire son mouvement pour lâcher un gros truc qui va nous démolir la tête. En gros, il fait ça et d'un coup ça disparaît et il change d'attaque. Donc, du coup, ça c'est la même chose que tout à l'heure.
Ah, nouveau combat. Go, go, go. Vas-y, le bleu. Ouais, tu vas gagner. Ouais. Ouais, allez le bleu, tu veux gagner, tu peux gagner. Yeah. Oula, il reste plus que 17 secondes, faut que vous en finissiez. Go, 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 go. Go, go, go. Allez, Ragna. Allez Panthéos, il faut le battre, ça fait déjà deux ennemis qui bat. Oh non. Jamais. Il l'a tué avec un de ses coups, mon gars. Il a mis une musique, what the fuck. J'arrive pas à lire. Ok, bon, j'arrive pas à savoir c'est quoi la blague parce que c'est en espagnol. Ça doit pas être longtemps qu'il y a dessus, mais en gros, ça fait la blague du serveur où il y a personne qui est trop genre. Moi aussi, ça me le fait sur ce jeu. Et ça te vénère quand il n'y a personne qui vient, t'as envie de tout quitter. Ça me l'a déjà fait. Wow. Le pauvre, il est tout seul. Si seulement j'avais su, j'aurais rejoint cet espagnol. Bon bah les gars, on se termine sur cette vidéo qu'on a fait. Il y a un autre moment 2, mais là je pense que ça suffit. Donc les gars, on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode sur les funny moments de Dragon Ball. Allez, ciao.